Je vais faire mon dernier chapitre maintenant. C'est Voyage à la place du mort. C'est mon chapitre, très très bon. On aurait dû se douter que ça n'allait pas être une simple promenade. On va devoir faire un détour. Et ouais, du coup, j'ai oublié de prévenir, mais Freeman il conduit toujours grâce à ses talents de télékinésiste. De radio. Si ça marche, il faudra alerter White Forest. Ils ne savent pas que le cartel se dirige vers eux. Il n'y a personne. Depuis combien de temps est-ce désert? Pourquoi je descends par là? Et pourquoi elle, elle descend par là? Donc là, du coup, on voit bien les limitations du jeu. Limitations de l'époque. Pas de moteur graphique. Et là, ce sera encore plus flagrant. Voilà, la petite limite d'arbres de la forêt amazonienne. C'est quoi? Je vais construire une base. Non, celui-là 2007. C'est... Il est sorti en 2007, épisode 1 en 2006 et Alpha 2 en 2004. Je crois qu'il est sorti la même année pardon, que Crysis 1, que Bien, Halo ouais, 3, normalement. Pas de courant. Essayons de rétablir l'électricité. Enfin bref. 2007, grande année. J'avais 8 ans. Est-ce qu'il y a un truc caché là-haut? Non. Par contre, du coup, ce jeu, l'avantage, c'est que les barils, tu peux les transporter sans problème. D'avoir une petite référence à Daze. Oula. Je fais le guet pendant que vous fouillez dedans. La dernière fois que t'as dit ça, t'as eu deux trous. Mais bon, c'est ce que tu veux. Alors, ça c'est les souvenirs qui vont parler. Normalement c'est au-dessus, parce que si je mets de ce côté-là, ça fait mal. Active l'ascenseur et je peux y aller. Et là, Gordon, cachez-vous. Les chasseurs, ils sont là. Chut. C'est sur le toit. La porte. Le voilà. Il y a un truc bien à faire avec ces trucs-là. Ils m'ont... Alors faut juste qu'il défonce la porte d'abord. Pas cette fois. Cliquez le puzzle de l'ascenseur. Bon, quand tu connais pas, c'est autre chose. Enfin, en vrai, c'est pas compliqué de ouf, mais... C'est vrai qu'il y a moyen de... Ah, bâtard. J'ai envie. Le meilleur moyen de les niquer, c'est avec leur propre jet. En plus, c'est un succès. C'est que j'ai déjà, mais c'est un succès quand même. Et il y a un truc que j'adore faire aussi avec ces machins là.
Ah, il est là. Le mieux, c'est de les niquer avec la bagnole. C'est vraiment ça, le plan. FK, ça marche. À tout de suite. Nous devons envoyer notre alerte et continuer. Ça devait être un groupe d'éclaireurs. Allez, message. C'est bon. Ok. Et bon caca en fait, j'ai pas... J'avais pas lu complètement, mais bon caca. Essayons. White Forest, répondez. White Forest, vous m'entendez? White Forest, vous m'entendez? Ici, White Forest. Identifiez-vous. Alex Vance, où êtes-vous? Ça fait des heures que je vous attends. On a eu un contretemps. Avez-vous conscience de la gravité de la situation? La survie de la Terre dépend des données que vous transportez. Oui, je sais, mais le cartel se dirige vers vous. Quoi? Que dites-vous? Vous avancez vers nous? Mais j'espère bien! Non, pas quoi? Nous! Alors, le cartel! Oh. Tenez-vous prêt! Je vous entends mal, Alex! Quoi? Alex? Bon sang! Je me demande s'il a reçu le message. On devrait reprendre la route. Là, j'ouvre la porte. Continuons. On verra si on peut récupérer la route plus loin. Je vais me casser la gueule violemment là. Je sens que ça va faire mal. Pas pourquoi, mais je sens que ça va faire mal. Voilà, parce que je me suis pris des arbres, tout simplement. Hey, et... Tu connais ce sommet? On le voit de White Forest. T'as pas de ceinture, et moi non plus. Normalement, on aurait dû s'envoler directement. Mais bon, on n'est pas dans un jeu normal là. On est dans un des meilleurs jeux du monde. C'est dit. Ouais, ça fait mal aussi. Hé, hey, ça doit être un de ces incubateurs. À la citadelle, ces choses qu'on a vues. URB lock 0017. Alors 314, parce que j'ai vu une vidéo théorie là-dessus, 314 du coup apparemment c'est le numéro attribué par le cartel pour la Terre. URB urban lock location 0017, ça veut dire cité 17. Hey, hey. J'aime bien apprendre ce genre de choses. Je trouve que l'univers est tellement riche avec tellement de détails, même pas cachés, mais juste des détails auxquels il faut prêter attention pour s'en rendre compte. Genre c'est un jeu avec je sais pas combien de milliers de niveaux de lecture. C'est pas forcément le bon terme hein, mais... Mais c'est à peu près ça. C'était quoi ça? Bah là-dedans, je vais quand même faire la maison à côté pour commencer. Ça recommence. Oui, j'arrive, deux secondes. Il y a un conseiller par ici. Je déteste ces bestioles. On n'est pas les premiers dans cet endroit. J'adore la manière dont elles sont introduites. Je crois qu'on a trouvé notre conseiller. Le Vort a dit de les tuer avant l'éclosion. Ah, assistance vitale. Ah, vous, Gordon.
On débranche ? Bah oui. Désolé. Je peux peut-être ouvrir ça. Et voilà. C'est bon. C'est incroyable, mais ça en fait c'est juste une console, je crois, dans le modèle 3D. C'est pas juste. C'est pas juste une console qu'ils ont foutu au mur pour que ça ressemble. Bref. Alors non, c'est pas par là normalement que ça se fait, mais ouais, si tu veux. J'aurais dû viser plus bas, ça aurait été encore plus drôle. C'est vraiment dégueulasse. Chez. Aïe, merde. Ah, oh, mon Dieu. Gordon. Dieu merci, vous allez bien. Ce truc était blessé, vous l'avez vu? J'ose pas imaginer ce qu'il aurait fait si... Oh oh. Unité autonome subsumée. On dirait qu'il a appelé ses amis. Des soldats. Il va me lancer une grenade ? Non, pas. Oui, faut y aller. Attendez-moi ! Allez, grimpe, 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 allez, sort. Sortons d'ici. Panneau, ouais. Ouais, bien sûr que c'est génial.
t'entends, celui qui est derrière moi là. Drop bar! Incoming! Boss! Je dois refaire un drive-by gentiment. Tous ces. Qui sonne. Je reviens. C'est bon, le moteur de la voiture explose toujours pas. Alors attendez, tac, je vais juste remettre le L-retour dans le casque, comme ça c'est mieux. Voilà. C'était quelqu'un que je connaissais pas, j'ai pas répondu. Back. Le péché de retour. Bah moi j'ai niqué ma bagnole. Voilà. Puisque c'est vous qui nous avez ramené cet hélicoptère, vous allez nous aider à le dégommer. Ah, avec plaisir. Abattez-le. Merci pour ta vie, gros. Ça fait en même temps. En même temps, tirer sur un hélicoptère avec avec une SMG. Bon. D'autres personnes ont eu la meilleure idée. Gordon, j'ai trouvé les trous de secours. Il y avait un succès, c'était pas le raté avec les bombes. Ça c'est le pilote. Ça va laisser des traces. Ça part, c'est un bâtard quand il fait ça. Voilà. Si je dis qu'il s'est crashé sur ma voiture, je. Bah, je fais rien. Content de vous voir, les gars. Wow! Incroyable comme vous leur avez renvoyé leur mine à la figure! Je boirais bien. Il faut reprendre la route. Mais le moteur est foutu. Vous n'auriez pas des outils pour la voiture par hasard? Des outils? On a un atelier là-bas. Venez, on va régler ça. Et deux minutes, je vais juste me heal et ensuite. Récupérer la combi. Voilà. Voilà. Et il faut reconnaître que le cartel est fortiche quand même. Ce sont des adversaires coriaces. La grande classe. La ferme. Bon, l'art de la discrétion, du coup je m'arrête là. Ce sera pour la semaine prochaine. Oui. La semaine prochaine. Voilà. Donc voilà, je m'arrête là. J'arrive sur Discord du coup, Léo, si t'es là. Si t'es chaud. Moi je suis là en tout cas.